Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, pardon, où ce soir j'ai l'immense plaisir d'avoir à nouveau à mes côtés Émilie Fraîche. Bonsoir Émilie. Bonsoir Nathalie, merci de m'accueillir à nouveau. On t'accueille pour un livre qui, moi je peux le dire, qui est un des plus puissants et un des plus beaux de cette rentrée littéraire. Le voilà. Ça s'appelle Les Amants de Lutetia. C'est paru le 23 août dernier aux éditions Albin Michel. Ce soir, tu as la chance d'avoir aussi une autre personne pour t'interroger. C'est Frédéric de Gaëlte. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à toutes les deux. Alors, Bonsoir. avant qu'on commence, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent te poser des questions par écrit en utilisant l'onglet Converser ou en utilisant les commentaires sur notre page Facebook. Émilie, est-ce que tu peux, pour que tout le monde soit au courant, nous résumer en une minute, c'est la règle, ton roman. Au moins, hein, tu peux dire deux mots si tu veux. Une jeune femme, Éléonore, un 1er septembre, en allant sur son premier chantier de la rentrée, reçoit un coup de fil alors qu'elle est dans le métro du commissaire du 7e arrondissement qui lui annonce que ses deux parents, Ezra et Maud Kerr, 84 et 86 ans, viennent d'être trouvés morts main dans la main dans une chambre de l'hôtel Lutetia. Pareil. Donc le voilà avec une sublime couverture. J'imagine que c'est toi qui es à l'origine de la couverture, qu'on ne pouvait pas mettre autre chose que ce couple. Alors, figure-toi que j'aurais adoré mettre une photo, une autre photo, où ils avaient un abat-jour sur la tête, qui était une photo que j'avais trouvée dans un fonds d'art. Et ça n'a pas été possible. Et ce sont les gens de l'Icono chez Albin Michel. Et vraiment, je les en remercie du fond du cœur parce que je mesure depuis la sortie à quel point cette photo a participé aussi du désir des lecteurs de. Voilà, d'acheter le livre et de se plonger dedans. Alors c'est un roman riche, parce que moi j'ai envie de dire c'est une histoire d'amour, mais pas que. Il y a aussi une histoire d'abandon, les conséquences d'un acte dramatique, et aussi un peu la dépossession, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Complètement. D'ailleurs, le livre aurait pu s'appeler Une histoire d'amour et d'abandon. Parce que c'est à la fois la très très grande histoire d'amour d'Ezra et Maude et leur liberté et leur choix de partir ensemble. Et c'est à la fois les conséquences de cet acte secret, tenu secret jusqu'au bout pour leur fille unique, qui vit ça évidemment comme un abandon. C'est autant cette histoire d'amour que quelque chose que j'ai déjà traité dans d'autres de mes livres, qui est le sentiment d'être étranger à sa propre famille. J'avais écrit un roman qui s'appelle Deux étrangers et qui racontait la difficile relation d'une fille à son père. Et on est dans cette même thématique que je continue d'explorer, des relations familiales compliquées. Ouais. Il y a aussi un mot que j'aimerais bien rajouter, c'est vieillissement, parce que c'est très important, vieillissement. Et voilà, la famille, tu l'as dit, le secret, et aussi le rapport aux parents. Donc, comme tu l'as dit, ça jalonne toute ton œuvre, le rapport aux parents, et là encore plus. Moi, j'ai lu quelque part que tu disais que écrire, c'était chercher. Est-ce que tu as beaucoup cherché pour écrire ce roman? Oui, j'ai beaucoup cherché, je dirais, la distance du personnage d'Éléonore par rapport aux parents, la bonne distance pour rentrer dans ce livre avec une colère saine, juste, qui est celle du sentiment d'être abandonnée, mais aussi de dépossession, d'être dépossédée de son deuil, d'être dépossédée de son rôle de fille, qui est celui, dans le vieillissement des parents, qui est celui d'accompagner. Donc de la possibilité d'être fraternelle avec les siens. J'ai perdu le fil. Ah Écrire, c'est chercher. oui. Donc ça, j'ai cherché, voilà. J'ai cherché cette distance. Et en cherchant cette distance, j'ai trouvé au fil du texte des personnages que je n'avais pas forcément en tête. Et je pense notamment au personnage d'Alexandre Duval. Qui est le conseiller financier des parents et qui met justement cette distance insupportable entre Éléonore et ses parents et qui la rend de fait étrangère à eux. Voilà, ça c'est par exemple des choses que j'ai trouvées au bout d'un an et demi d'écriture. Voilà. Il faut préciser que cette personnage, elle ne le connaissait pas alors qu'il est le conseil de ses parents depuis des années, ce qui est quand même super vexant et à la fois qui replace les parents dans une indépendance qu'ils ont de fait, mais que les enfants ne leur reconnaissent pas. Bah, je crois que on a beaucoup de mal à imaginer ses parents comme des individus à part entière. On se sent un droit sur eux
et notamment le droit de savoir et le droit de tout connaître, et on a l'impression qu'ils n'ont pas de secret pour nous, et de découvrir une fois qu'ils sont partis toute cette organisation qui, de fait, a réclamé aussi du temps, de l'attention, de l'énergie. En fait, elles découvrent toute une part de leur existence à laquelle elles n'avaient pas accès. Et à un moment, d'ailleurs, le personnage de Simon, son fils, le lui dit, parce qu'ils sont en rupture par rapport à ce geste, ils ne l'accueillent pas de la même manière. Et Simon dit à sa mère, mais ce que tu ne supportes pas, c'est pas qu'il soit mort, c'est qu'il soit mort dans le secret, c'est qu'il ait fait cela sans te prévenir. Et c'est ça qui est compliqué. Mais ça, c'est aussi le fait de l'état du droit en France, qui ne permet pas de, enfin voilà, choisir sa mort, tout organiser en... Enfin, il l'aurait mis hors la loi en l'impliquant aussi dans ce secret. Donc, s'ils en avaient fait une aide quelconque dans ce dernier geste. Donc c'est pour Simon, il y a aussi une part de responsabilité de l'État dans cette décision tenue secrète. Surtout Est-ce Simon, lui, que voit ses grands-parents comme des personnes à part entière, comme des individus, alors que sa mère les voit comme ses parents. Et ça va basculer quelque part, non? Oui, évidemment, je pense que d'abord, quand on n'a pas été des parents géniaux, ou on n'a pas su vraiment aimer ou écouter, ou voilà, la séance de rattrapage, elle est évidemment avec les petits-enfants. Parce que tout simplement, les petits-enfants n'ont pas l'enfance à solder. Voilà, ils n'ont pas beaucoup de reproches à faire. Donc, c'est beaucoup plus vierge de ressentiments, de douleur, de blessure. Voilà, on est moins blessé par ses grands-parents qu'on ne peut l'être par ses parents, fatalement, puisque ce n'est pas eux qui nous élèvent, a priori. On revient à cette idée de distance. Il est à une distance qui lui permet d'accueillir de manière plus favorable le choix qu'ils ont fait, et de voir dans ce choix non seulement une liberté et de la respecter, mais peut-être aussi un cadeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va dire à sa mère, mais est-ce qu'en partant de la sorte, est-ce qu'ils t'ont pas fait un cadeau aussi, de t'épargner cette charge, cette douleur, à un moment, quand les parents sont en souffrance, de devenir les parents de ses propres parents. C'est très douloureux. C'est ce que vit Vincent, le père de Simon. Il y a une scène à la maison de retraite où Éléonore accompagne son ex-mari pour voir son ex-belle-mère, qui était une directrice d'école, qui est devenue complètement sénile. Et c'est un épisode très difficile pour Vincent, qui est complètement désarmé face à sa maman, qui est devenue une petite fille. Bon, bah, ce geste-là d'Ezra et Maude, le fait de se suicider, de partir ensemble, à ce moment-là de leur vie, je dis toujours, ils ont quitté la vie comme on quitte une fête avant que ça dégénère, avant qu'il soit trop tard. Bah, ça peut être aussi vu comme une façon aussi d'épargner leur fille et leur petit-fils de toute une série de problèmes et de douleurs aussi, quoi. Et la douleur de la séparation, d'ailleurs, s'il y en a un des deux qui meurt avant l'autre aussi. Oui, ça c'est Comme c'est toujours le cas. quelque chose qui m'a beaucoup attirée dans ce fait divers. C'est cette volonté de partir ensemble. On parle beaucoup de la souffrance physique des personnes âgées, on parle très peu de la solitude. Et j'imagine que quand on a traversé 70 ans de vie avec quelqu'un, l'idée qu'il s'en aille avant, c'est que ça revient à être amputé d'une partie de soi. Et je pense que c'est extrêmement difficile. Et j'en parle dans le livre, je parle de Lettre à D d'André Gorce. André Gorce était un philosophe qui s'est suicidé avec sa femme. Et il a écrit cette lettre à D, qui est une formidable Merveille, déclaration c'est une d'amour. merveille. Lisez-le. Voilà. Et il dit dans cette lettre, l'idée de survivre l'un à l'autre est vraiment était insupportable, en fait. Insupportable. Donc ça aussi, c'est... On est seul au moment de la mort, mais l'idée de défier cela, je trouvais ça évidemment très beau, et j'avais envie d'en parler aussi dans le livre. Et Parce peut-être il y a une chose qu'on dit pas qu'en fait, aussi. finalement, il y a assez peu de pactes suicidaires. Il y a beaucoup de situations comme l'a traité Haneke dans le film Amour, c'est-à-dire des assassinats suivis d'un suicide. C'est-à-dire qu'il y a un des conjoints qui tue l'autre parce qu'en fait, c'est devenu insupportable, et ce meurtre est une forme de délivrance.
Et puis ensuite, il se suicide, et c'est absolument tragique, en fait. Mais des pactes suicidaires, des décisions prises ensemble, finalement, il y en a assez peu. Est-ce qu'on peut redire à partir de quel événement tu es parti? Parce qu'on ne l'a pas dit du tout et c'est Oui, important bien pour sûr. ceux qui n'ont pas lu le livre. En fait, moi, j'ai découvert en 2013 un fait divers dans la presse. Bernard et Georgette Caz, des octogénaires qui sont allés au Lutetia mourir ensemble. On les a découverts le lendemain matin. Et je me suis inspirée de ce fait divers, mais après, j'ai complètement inventé les personnages. Je ne suis même pas allée chercher dans la vie de Bernard et Georgette Caz parce que justement, je voulais laisser toute la place à mon imaginaire. Je voulais juste partir de ce dispositif. Parce que, évidemment, j'ai vu comme tout le monde, avant de voir la mort, j'ai vu l'amour. Voilà. Et puis je me suis tout de suite dit, mais qui pourraient être ces gens qui ont ce panache aussi de mourir non seulement ensemble, mais dans un palace. Il y avait un projet, il y avait quelque chose qui pour moi répondait à la vie qu'ils pouvaient avoir eue. Et tout ça était extrêmement romanesque. Donc je suis partie de ça. Je me suis dit un jour, j'écrirai sur cette histoire. Elle me fascine. Et voilà, j'avais ce désir, mais je pense qu'il m'a fallu un petit temps quand même pour trouver la porte d'entrée. Ça suffit pas d'avoir un sujet. Il faut avoir, après, quand on a un sujet, il faut avoir une porte d'entrée pour pouvoir raconter ce sujet. Et ma porte d'entrée, ça a été le point de vue de leur fille unique. Enfin, je leur ai imaginé une fille unique, sans doute parce que moi-même, j'ai eu des rapports très compliqués avec mes parents et que j'ai pu projeter sur ce fait divers. Des sentiments qui me sont très personnels, en fait. Est-ce que le choix du palace, parce que quand même le choix du Lutetia, c'est pas n'importe quoi, était important pour Ben, toi? en fait, je me suis beaucoup, comme j'avais envie de tout inventer, que ce soit vraiment de la fiction et d'inventer mes personnages, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je garde le lieu du Lutetia où ces gens se sont suicidés ensemble? J'avais pensé à un moment à le mettre au Raphaël, donc les amants du Raphaël, ou même les amants de l'Excelsior à Nice, parce que l'Excelsior, comme le Lutetia, a été un lieu de déportation. C'est par exemple de là que Simone Veil a été déportée. Et puis je me suis dit, j'ai envie de raconter la deuxième partie du XXe siècle à travers les personnages d'Ezra et Maude. Et le Lutetia, immédiatement, évoque une partie du XXe siècle, parce que ça a été à la fois un lieu de la Gestapo, et un lieu de déportation et un lieu de rapatriement surtout. Donc, il convoque dans notre inconscient collectif une partie de notre histoire. Et donc, je me suis dit, il faut que ça se passe là. Et tu Je parlais vais pas. d'abandon tout à l'heure, c'est aussi le lieu où on savait si on avait été abandonné ou pas, définitivement. Parce que c'est Si on là qu'on avait. allait chercher sa famille pour essayer Oui, de la retrouver. c'était là où on réalisait qu'on c'est effectivement là qu'Ezra et Maude ont pris conscience au retour de la guerre qu'ils étaient totalement orphelins, et non seulement orphelins, mais qu'ils n'avaient plus leurs frères et sœurs. Et de la même manière qu'André Gorz et sa femme, au lendemain de la guerre, quand ils se sont rencontrés, ils ont fait de leur mariage un pacte pour la vie. Ezra et Maude, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Et donc, ayant fait de leur mariage un pacte pour la vie, on comprend très bien que ce pacte pour la mort vient clôturer ce pacte pour la vie, qu'il y a une espèce de logique et que ils se sont sauvés l'un l'autre en fait. C'est des gens qui se sont sauvés l'un l'autre. Et donc voilà, pour moi, ça expliquait aussi qu'ils partent ensemble. Dans le livre, il y a aussi une partie très importante dans le ressentiment. On a l'impression que cette jeune femme qui est adulte, qui a un fils, qui est grand, elle tape du pied comme une petite fille sur tout ce qu'elle n'a pas digéré, de ne pas avoir été avec eux, de les avoir toujours vus entourés de plein de gens. Pourtant, ça avait l'air d'être un couple avec lequel on s'amusait, avec lequel la maison était gaie. Il y a un côté années 80. Réussite sociale, il y a un côté familial grandé avec tous les gens Totalement. autour. Bah, elle dit c'était des gens géniaux, mais c'était des gens géniaux à avoir comme amis, mais pas comme parents, quoi.
Donc, ils avaient cette liberté. Pour moi, ils incarnent complètement les années 80. C'est des gens qui ont inventé leur métier, la pub. Ils ont créé des désirs à des gens qui n'en avaient pas. Ils ont participé de l'avènement de cette société de consommation, qui est l'époque warholienne par excellence, en fait. Donc, c'était très important pour moi d'en faire des publicitaires parce que, parce qu'ils ont fabriqué le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ils avaient cette liberté. C'était aussi des gens qui se sont construits sur un monde concentrationnaire, génocidaire. Et donc, j'ai pour moi le sentiment, même si on les fustige beaucoup aujourd'hui, fustige leur irresponsabilité, que leur égoïsme était presque un programme de survie. Et d'ailleurs, c'est la génération du silence aussi. Ils n'ont pas raconté d'où ils venaient, ce qui leur était arrivé. La seule chose qu'ils avaient en tête, c'était de regarder vers demain, en tout cas, ou d'être dans leur présent. Nos limites, d'ailleurs, je veux dire, tout point de vue, c'est-à-dire que leur rapport à l'argent, aux dépenses, leur rapport au luxe, leur rapport à leurs filles, la manière aussi de se balader à poil toute la journée, de ne pas avoir de limites. La construction folle de leur maison, des bulles, qui est une maison ahurissante, c'est quand même pas anodin que dans ces années-là, il y ait eu l'avènement de ces maisons ovoïdes complètement rondes. Après la génération, voilà. C'est dans le livre. Exactement, Je suppose que qui tu la vient. connais, cette maison. Bah alors, en fait, elle n'existe pas, celle-ci, exactement dans le Var. Ça, c'est des dessins que j'ai fait moi. Voilà, donc je me suis inspirée. Jacques Coël est un architecte qui Oui. existe, que j'adore, qui a fait beaucoup de maisons à Castelleras, qui en a fait en Sardaigne aussi. Et je trouve que c'était tellement poétique, en fait. Après un monde concentrationnaire de la guerre où les gens étaient réduits à des numéros, où les gens ont été tatoués, ils ont été déshumanisés complètement, que la génération d'après ait l'envie, la poésie, le désir de vivre dans des habitats complètement écologiques, adaptés à l'individu, tout en rondeur, qui s'adaptent à la terre, qui s'adaptent à l'individu et pas l'inverse, je trouvais ça éminemment politique comme projet. Et assez. Et c'est d'autant plus troublant que c'est des ventres, ces maisons. Comme une C'est pieuvre, comme et complètement. des renaissances, c'est Totalement. très embryon, Oui, tu as comme si on l'impression d'être dans recommençait la un vie. pays. Oui. Tout est rond, tout est doux. Chaque percée est en fonction de la lumière. La végétation n'est pas du tout abîmée. C'est pour ça que c'est des maisons avec énormément de dénivelé, parce qu'on ne terrassait pas les terrains. Et que ces gens-là aient mis tout leur argent, leur énergie, leur projet dans la construction de cette maison comme un espèce de paradis où ils pourraient être heureux avec leurs amis et puis ensuite qu'ils aient le désir de préserver, de sauvegarder ça et que ce soit l'objet de leur héritage, que cette maison voilà, perdure avec leurs filles et avec leurs petits-fils. Je trouvais que c'était assez beau et puis je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans parce que c'est pas simplement une question de moyens, mais dès qu'on a un peu d'argent, on a envie de s'ancrer quelque part parce que c'est là où on fixe l'enfance de nos enfants, c'est là où on fixe le bonheur, les souvenirs et les maisons, c'est... Enfin, moi, j'adore les maisons. La mémoire, la mémoire. Mais c'est un Alors... véritable personnage, la maison, dans ton livre aussi, quelque part. Hein. Oui, bien Oui. sûr. Elle a le parfum de tous les étés. Elle a même le parfum de l'ennui. Et Léonore, quand elle revient, elle dit, je n'ai peut-être pas été heureuse ici. J'ai voulu partir de cet endroit parce que le silence était écrasant, parce que je n'avais pas une vie d'enfant dans cet endroit. Mais c'est de là d'où je viens. Et je le reconnais instantanément quand les portes s'ouvrent et que je rentre dans cette maison. Je suis de retour en enfance, en fait. Un Et refuge. Un refuge. Exactement, et j'ai l'impression que l'enfance, c'est un pays qu'on ne quitte jamais. Et quand tu parlais, Frédéric, tout à l'heure de la colère d'Éléonore, comme si elle tapait du poing par rapport à la relation difficile qu'elle a eue avec ses parents,
Je crois finalement que c'est ce qui me touche le plus chez les gens. C'est la part d'enfance qui reste en eux. Et quand j'entends des gens de 80 ans me dire, mais de toute façon, ma mère a toujours préféré mon frère, elle s'occupait de lui et pas moi. Et ça me bouleverse complètement parce que je me dis, mais il y a toujours cette voix de l'enfance en nous, ces blessures, etc. Et quoi qu'on ait fait dans la vie, et ben ça reste en fait. Et j'ai l'impression que la différence fondamentale entre les gens, toutes les différences, je pense qu'elles se surmontent, les différences économiques, les différences sociales, les différences religieuses, mais je crois que la différence émotionnelle entre les gens qui ont été bien aimés, qui ont été mis en confiance, et ceux qui ne l'ont pas été, elle est indépassable. Parce que je pense que quand on a été mis en confiance et bien aimé, on est solide pour affronter tout ce qui vient. Et à l'inverse, quand on ne l'a pas été, on passe son temps à essayer de se réparer. Et voilà, et Léonore et Vincent ne sont pas au même endroit. Voilà, et c'est pour ça que Vincent aide beaucoup et Léonore dans l'acceptation de ce deuil, etc. Parce qu'il a beaucoup de douceur en lui, mais qui est une douceur qui vient du plus profond de son enfance, en fait. C'est neurologique même. Les neurologues disent maintenant que tous les enfants qui subissent des traumatismes, et Dieu sait s'ils sont nombreux, et surtout en ce moment, ne peuvent pas se construire en tant qu'adultes tout à fait de la même façon. Voilà, c'est plus, on y arrive, hein, mais c'est plus difficile. Alors, Éléonore, c'est pas quelqu'un qui a été maltraité, ou c'est pas quelqu'un qui a été battu, ou qui a... C'est juste quelqu'un qui a eu l'impression de pas, enfin, d'être étrangère parmi les siens, en fait, de parler une autre langue sensible. Voilà. Est-ce que le secret, justement, ne fait pas, à un moment, il y a cette scène terrible où elle veut aller visiter un camp avec les parents de sa copine et ses parents lui interdisent. Comment est née cette scène? Comment est née cette scène? Je me demande si je... Si tu le sais. Je me demande si je le sais. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai vécu ça moi-même? Non, bah parce que pour moi, il fallait incarner le silence, le fait de on ne parle pas de ça, on ne veut pas en parler. Enfin, voilà, c'était parce que c'est des gens qui sont originaires de Pologne, qui ont vécu l'antisémitisme de manière violente, dont les parents ont été déportés, assassinés, etc. Et donc, après-guerre, on ne parlait pas de ça, en fait. On n'en parlait pas, on ne voulait pas en parler. Et de toute façon, il n'y avait pas d'oreille pour écouter, de la même manière que quand ils arrivent au bulle et qu'il y a des tags, des croix gammées taguées sur leur portail. La réaction d'Ezra, c'est d'effacer, il dit d'effacer cette saloperie pour que le gardien ne le voie pas. Et tout ça, c'était des éléments factuels pour montrer à quel point Éléonore n'a pas posé de questions aussi, parce que c'était tacitement dans l'attitude de ses parents induit qu'il ne fallait pas en poser. Il n'y Voilà. avait pas de sujet, en fait. Ce qui n'est pas le cas de Simon quand elle redécouvre au mémorial à la fin les noms de ses grands-parents et de ses oncles et tantes. Et elle a l'info que finalement, toutes ces infos ont été données par son fils. Voilà, j'aime bien le pont qui est fait entre les grands-parents et les petits-enfants aux dépens des parents. Voilà, cette relation propre, c'est... Au dépens ou pour? Oui, effectivement. Parce que quand on le lit, on a une sensation que le fait que son fils aille vers des choses qu'elle ne veut pas comprendre, ça va l'aider, elle. Oui, bien sûr, mais je pense que nos enfants nous sauvent, nos enfants nous apprennent des choses. Et Simon, dans le livre, aide évidemment sa mère à accepter ce choix de mourir ensemble, à accepter qu'ils n'avaient pas peut-être les moyens d'être des parents comme elle aurait souhaité qu'ils soient, parce que d'abord, ils n'en avaient eux-mêmes pas eu. Donc, si elle ne peut pas leur pardonner, elle peut au moins les comprendre. Voilà, c'est ce qu'il demande à sa mère. Un peu un Au moins de... médiateur, quelque part. C'est un peu un médiateur, Simon.
Ouais. Et puis il fait passer des choses qu'il y a création d'un compte Instagram qui existe vraiment. Je vous suggère d'aller suivre le compte Instagram. Et moi, j'ai trouvé ça très intelligent de passer par le compte Instagram pour faire passer des messages, des choses. Alors, d'abord, formellement, je trouvais ça intéressant d'intégrer ce médium, ce support dont on se sert toute la journée, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu. Tout le monde est sur Instagram. On dit qu'on n'écrit plus, mais voilà, les gens écrivent toute la journée. Et un livre, ça a vocation à rester un petit peu. Et je me dis que voilà, dans 50 ans, quand on ouvrira ce livre, eh ben, on aura. On verra comment les gens communiquaient aussi. Donc ça, c'était intéressant. Ça m'a permis aussi d'introduire des dessins, des photos. Moi, j'adore ça. Et d'un point de vue esthétique, ce livre me ressemble. J'ai mis des choses que j'aimais, des choses qui m'aident à vivre, de la beauté, des artistes. C'est aussi un hommage voilà, à tous les artistes qui m'accompagnent et qui m'entourent. Donc voilà. Et puis c'était effectivement par les commentaires des anonymes un moyen d'avancer de manière assez légère et de distiller des points de vue assez différents sur la question du droit à mourir dans la dignité. Parce que c'est vrai que moi je suis toujours attachée. Enfin, c'est important pour moi que les sujets sur lesquels je travaille, les livres que j'écris ou les films que je fais racontent l'époque. Et ce qui m'a intéressée, au-delà du romanesque des Amants du Lutetia dans cette chambre, au-delà de mon ressenti personnel dans mon rapport à mes parents où je pouvais explorer quelque chose, en tout cas être proche d'une vérité sensible qui m'intéressait, il y avait aussi la possibilité de traiter, de raconter, d'approcher une question qui est essentielle. Et qui est complètement révolutionnaire, c'est le désir de maîtriser notre fin. Et c'est pas innocent que ce soit la génération qui ait réussi à maîtriser l'entrée dans la vie, c'est-à-dire maîtriser la fécondité avec la pilule et l'avortement, qui décide aujourd'hui au seuil de la mort de maîtriser le moment de la sortie en réclamant le droit à mourir dans la dignité. Et donc ce compte Instagram, par ses avis, me permettait d'opposer des points de vue. Et j'espère d'inciter le lecteur à se poser des questions, à se remettre en question, voilà, à douter aussi. C'est des questions sur lesquelles les gens sont souvent très arrêtés. Ils sont pour, ils sont contre. Bon, la majorité des Français est pour, selon les derniers sondages, pour l'idée d'accorder aux gens le droit de l'euthanasie ou le suicide assisté. Mais voilà, je trouvais ça, je trouve que c'est toujours important pour moi qu'un livre ne donne pas de réponse, mais pose des questions. On a l'impression d'ailleurs que tu es autant dans la tête de Simon que dans la tête d'Éléonore. Tellement leurs arguments sont défendus avec la même, j'allais dire hargne, mais c'est presque ça. Mais oui, parce que je sais pas, en fait. Je sais pas, je change d'avis tout le temps, ce que je dis. J'ai fait une rencontre il n'y a pas très longtemps et on me disait, mais vous, par rapport à votre propre mort, qu'est-ce que vous voulez? Et je dis, mais en fait, j'ai l'impression que tout ce que je vous dis là, ce que je vous dirai aujourd'hui, n'a aucune valeur. Parce que j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas confronté à ça, on ne sait pas, on ne sait rien en fait. Et qu'on doit se réserver le droit de pouvoir changer d'avis. J'ai écouté Marina Carrère-Dancausse, qui est médecin, qui accompagne. Son compagnon qui est atteint de la maladie de Charcot. Et d'après ce qu'elle disait, il lui aurait dit, bah, le jour où je perdrai l'usage de mes bras, je perdrai mon autonomie, donc je voudrais en finir. Et puis ce jour est arrivé, et il n'a pas eu envie d'en finir parce qu'il a trouvé d'autres joies, sans doute, avec autre chose. Et ça, je pense que c'est très important de s'octroyer le droit de se tromper, de changer d'avis, parce que c'est des questions qui sont trop essentielles, en fait. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est peut-être parce que je suis attachée fatalement au mot, c'est la question de la dignité. Je trouve que c'est un mot qui est un peu casse-gueule et dont les contours sont très flous et qui peuvent être définis de plein de manières, c'est-à-dire à partir de quel moment on considère que quelqu'un n'est plus digne de vivre. Et est-ce qu'on inclut
dans cette non-dignité, qui on inclut? Enfin, je veux dire, c'est les personnes en fin de vie, en souffrance maximale. Est-ce que ça peut être les pauvres, les invalides, les malades mentaux, les détenus? Enfin, tous les gens dans une société de la performance, tous les gens qui sont à charge, est-ce qu'à un moment donné, ils ne rentrent pas dans cette catégorie de d'indignité? Voilà, je trouve que c'est. J'ai l'impression, en tout cas, moi, que l'idée, c'est vraiment. Ce qui est important, c'est de permettre aux gens de ne pas souffrir. Donc, le droit à mourir sans souffrance. Ça, je pense que c'est fondamental. Et je pense que ce qui est fondamental aussi, c'est le rétablissement du principe d'égalité, qui est rompu dans notre pays, parce qu'en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait 22 départements en France où il n'y a pas de soins palliatifs. Ça veut dire qu'en fonction du lieu où on vit sur le territoire, ben on n'est pas tous égaux face à ce que l'État peut nous apporter comme forme de soulagement. Et ça me paraît très, très problématique, quoi. Ça, et sans doute, parce que tu parlais de vieillissement tout à l'heure, et c'est vrai qu'on livrait. Et aussi là-dessus, on parle beaucoup de droit à mourir dans la dignité, mais le droit à vieillir dans la dignité, ça me paraît essentiel. Et c'est cette phrase de Simone de Beauvoir que je cite dans le livre, de mémoire, on devrait tous se poser cette question de quelle devrait être une société pour que dans sa vieillesse, un homme demeure digne. Voilà. Donc, et ce n'est pas toujours le cas, Et évidemment. la On l'a. dignité de qui? Parce que est-ce que l'enfant qui va aider à mourir sera un enfant indigne? Exactement. Non, mais c'est. Voilà. Je trouve que ça. Quand on est attaché au mot, on se dit que c'est. Évidemment, c'est normatif et donc ça interroge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, et c'est vraiment à prendre. Je trouve que c'est des sujets tellement essentiels que ça réclame de grandes, grandes réflexions, quoi. En plus, au-delà de cela, tu ne le dis pas et tu ne le cites pas, mais on est aussi dans une opposition très forte au niveau religieux. Ça existe. Donc là, il y a une espèce d'interdit total de contrevenir à ce que le grand ordonnateur veut. Je ne vais pas le nommer parce que. Dans le livre, il n'y a pas de religieux. Il n'y a que des. Oui, il n'y a pas de religieux. Moi, Donc. on parle de l'aspect littéraire parce qu'il y a quand même il y a tous les sujets sociaux, mais il y a quand même le sujet il y a tous les grandes thématiques de la littérature, j'ai envie de dire quelque part. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, c'est la qualité littéraire qui est plus 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 plus, j'ai envie de dire, ma chère Émilie, parce que tu nous embarques et ça c'est très important parce qu'il y a outre le sujet social qui est très important de la génération, tout ce que tu viens d'expliquer, mais là tu nous véhicules quelque chose à travers ton écriture qui est sensible, qui est délicate. Parfois, il y a de l'humour. On n'est pas revenu sur l'enterrement, mais il est assez rock'n'roll, voilà. Mais ça traverse, il n'y a pas de baisse, ni de hausse. C'est une constante, c'est magnifiquement bien écrit. Oui, Ben, c'est important de le dire. merci. Je dirais que j'ai écrit avec ma gomme, avec mon sécateur. J'ai l'impression que ce qui me plaît dans l'écriture, c'est de plus en plus, c'est d'aller au plus juste, peut-être avec une économie de mots. Oui, c'est ça, d'essayer de trouver le mot juste, l'image, de travailler la phrase, le rythme. Pour moi, c'est beaucoup. Pourtant, je suis assez nulle en musique, mais pour moi, l'écriture, c'est de la musique, en fait. C'est le rythme des phrases. Je dis toujours, j'ai l'impression que c'est à la portée de tout le monde d'écrire. Ce qui est le travail d'un écrivain, il commence avec la réécriture. Et de reprendre son texte et de se rendre compte de tout ce qui est pas essentiel. Et en fait, on gomme, on coupe, on réduit, on se dit, mais c'est dingue, en fait, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. Et d'aller à l'essentiel, et c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, d'assécher son texte pour réussir à avoir quelque chose de très tendu, ténu, et que chaque phrase. Ben, porte en elle une idée, une sensation. Voilà, ça c'est. Je trouve que c'est ce qu'il y a de.
C'est à la fois ce qu'il y a de plus dur et ce que je préfère faire. Je vais te poser Réussir. une question étrange par rapport à ça. Est-ce que le fait de filmer, d'écrire des scénarios, a intensifié ton travail sur le texte une fois qu'on est dans un roman? Est-ce que ça a changé quelque chose à ta façon d'écrire? J'arriverai pas à le dire, je saurais pas, parce que vraiment pour moi maintenant, c'est comme deux équilibres différents, deux choses qui me plaisent, mais pour des raisons différentes. J'adore quand je suis dans un roman, c'est comme si j'étais dans mes draps, quoi, d'être dans la langue uniquement, de pouvoir. C'est le temps long. C'est au cinéma, il y a tellement de choses qui sont convoquées. L'écriture est importante, mais j'ai envie de dire, elle est une fois que c'est écrit, c'est plus rien en fait. Un scénario, il est là pour être trahi, il est là pour être cassé, il est là pour être. Il n'est qu'une ossature au service de la vie qui va avoir lieu sur un tournage. Et l'idée, c'est même d'être capable de parce qu'il faut faire surgir la vie. Et c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller dans mes prochains films. C'est de recréer de la vie en fait. Et donc, c'est de pouvoir permettre aux acteurs de faire des pas de côté, de voilà, il y a des metteurs en scène qui sont très attachés à leur texte, mais pas moi en fait. Moi, j'adore l'impro au cinéma. Voilà, pour que ce soit vrai, je trouve qu'on a besoin de laisser la vie rentrer, donc la spontanéité et s'adapter aux acteurs. Alors que le roman, c'est un objet qui est fini. Vous avez la maîtrise du début à la fin et il n'y a que la langue. Ce n'est Les images ne tiennent que par la langue. Peut-être Donc, que c'est pour ça que tu es moins attaché à ton texte sur les films, parce que tu as les romans. peut-être, peut-être, C'est vrai. peut-être. Moi, j'ai trouvé quand même que. Alors, le précédent, c'était Vivre ensemble, c'était en 2018. Moi, j'ai trouvé que ton écriture avait pris de la profondeur. Effectivement, tu as plus resserré, mais il y a encore plus d'émotions qui passent. Encore plus. Et ça me fait penser à Deux étrangers. Donc, Deux étrangers, ça remonte quoi? C'était 2013, le prix Orange, hein, pour pas oublier. Alors, c'est marrant parce que dans Deux étrangers, on pourrait retrouver les Erza et Bott, sont deux étrangers pour. Il y a un peu de Exactement. parallèle. Et Dans Deux c'est. étrangers. Ouais. Pardon, pardon. Non, vas-y, Non, vas-y. ils appartiennent à la même famille, mais deux étrangers comme les amants du Lutetia, le point de vue adopté est celui, entre guillemets, d'une victime. Dans le sens où c'est. Ou en tout cas, d'une victime, d'une personne qui est en souffrance. Et c'est le chemin d'une résilience. Donc, on est en empathie totale. Vivre ensemble, moi, c'est un texte auquel je tiens très fort et où j'assume complètement ce texte. Et au contraire, c'est un texte sur la violence. Donc, il est violent, il a été perçu violemment, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que c'est sur le terrorisme, c'est sur la difficulté à faire famille, c'est l'histoire d'une femme qui ne comprend pas l'enfant de l'autre, qui n'arrive pas à vivre avec lui. Et ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Et la littérature, c'est pas le lieu de la morale. La littérature, c'est le lieu de la vérité, de l'authenticité, c'est le lieu où on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs. Et moi, j'ai reçu sur Vivre Ensemble un nombre infini de courriers de femmes qui m'ont dit, mais merci, je me sens moins seule, c'est exactement ce que je vis là. C'est des choses qui sont inaudibles, mais Parce que c'est un pas livre. politiquement correct, et c'est ce que font les livres. Voilà. Vivre Ensemble, c'est un livre sur la peur. Et c'est un livre qui prend ancrage dans la France de 2015. Et dans la France de 2015, on a peur de l'autre. Et là, à nouveau, avec les événements qui arrivent, les actes terroristes, etc., cette peur, elle ressurgit. On est dans un train, on est dans un lieu public. Voilà, ça nous traverse l'esprit. Il y a la suspicion, il y a la peur. À un moment donné, on ne sait pas comment, pourquoi ça explose. Et le personnage de Déborah dans Vivre Ensemble, elle a ça à la fois à l'extérieur et à la fois dans son foyer avec un étranger qui est le fils de l'autre, le fils de son mari qu'elle ne connaît pas et dont elle n'a pas les codes et elle ne comprend pas. Et il peut à tout instant lui péter au milieu de son salon et c'est complètement déstabilisant pour elle. Et donc je pense que c'est pas qu'il y a plus de sensibilité. Dans Les Amants du Lutetia, c'est juste que Les Amants du Lutetia, c'est un livre doux, c'est un livre sur le pardon, c'est un livre. Pardon, il faut que je remette, il faut que je mette de la charge. C'est un livre sur le.
C'est un livre sur le pardon, c'est un livre sur la résilience, c'est... Elle n'a pas les codes non plus, hein, de ses parents, cela dit. Non, non, mais il y a un moment aussi où elle est seule face à ça. Elle ne risque rien. Ce que je veux dire, Oui. c'est que dans Vivre ensemble, il y a du risque. Il y a de la peur, il y a du risque, il y a ce qui n'est pas le cas du tout des amants du Lutétia, en fait. Elle doit vivre avec l'absence. Elle doit vivre. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu disais, Nathalie, que ça, qu'on retrouvait les choses dans les deux étrangers. Par contre, je trouve on retrouve, mais en même temps, Ezra et Maud, ils sont plus drôles. Ah mais tout à fait, non, moi je dis des clins d'œil, par exemple dans Deux étrangers, on traverse toute la France en R5, là on retrouve une Volvo. La Volvo nous amène faire aussi quelques... Il y a quelques petits points comme ça qu'Emilie nous divulgue, voilà, c'est juste pour faire un petit parallèle. Mais pour ceux qui l'ont pas lu, Vivre ensemble est disponible aux éditions Point, et je vous conseille vraiment de le lire, parce que moi aussi j'avais beaucoup aimé ce livre. Il est certes violent, mais nécessaire. Comme tous les livres d'Emilie, parce qu'Emilie est un auteur engagé. Et déjà, je voudrais qu'on revienne aussi sur Le sourire de l'ange. Je sais que tu en as parlé il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il date de 2004. Ça aussi, c'est disponible aux éditions Point. Il y a aussi La mort d'un pote, c'était en 2006. 2006, il y a 24 jours aussi, La vérité sur la mort Ensemble de... Voilà, au 2009. point aussi. Voilà, et oui, et il y a aussi, moi, le livre que je vous conseillerais ce soir, c'est celui-ci qui est si nécessaire, Je vous sauverai tous. Et ça, absolument à lire, surtout par les temps qui courent. Donc, voilà, c'était la parenthèse. Mais donc, oui, il faut tous les lire, parce que c'est Émilie, t'es un auteur engagé, on a besoin d'auteurs engagés. Merci beaucoup. Est-ce que, en tant qu'auteur engagé, en tant que femme, en tant que mère, quel regard tu portes sur les heures qu'on est en train de vivre là? Bah, je suis terrifiée. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une frontière encore plus dure. Enfin, quelque part, je me dis au moins la frontière est claire entre ceux qui veulent la paix et les autres qui la piétinent, en fait. Je suis évidemment pour une solution à deux États. Que la sécurité d'Israël dépend de l'existence et de la reconnaissance d'un État palestinien. Mais je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre, ce que peut-être les gens ne voient pas et ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas une étape de plus dans le conflit israélo-palestinien. C'est pour tous les Israéliens et pour tous les Juifs de diaspora la réminiscence d'un antisémitisme ancestral, des pogroms de la Pologne du XVIIIe siècle, où on venait chez les gens, on ouvrait les portes, on égorgeait les femmes, les enfants, on les brûlait vifs. Et cette barbarie-là, ça peut pas être considéré comme de la résistance. Parce que les terroristes du Hamas qui ont fait ces actes-là, ils ont abandonné une part de leur humanité à cet endroit. Et on a 30 de nos compatriotes qui sont morts, qui ont été assassinés. On a des otages français. Et donc, voilà, on peut pas, on peut mettre un signe et on doit mettre un signe égal entre la mort d'un civil israélien et la mort d'un civil palestinien, mais on ne peut pas mettre un signe égal entre une démocratie et une organisation terroriste. C'est sûr. Et le terrorisme, il est notre ennemi à tous, partout. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui. Ce sont d'ailleurs des gens qui n'ont rien à faire de leurs semblables qui sont assassinés à Gaza. Ils n'en ont rien à faire. Et donc cette barbarie-là, moi, je ne peux pas penser au 7 octobre sans penser aux Juifs d'hier, des Shtetl d'Europe de l'Est, qui ont été disséminés dans les mêmes conditions. Et si vous voulez, enfin, la création de l'État d'Israël, elle est née, enfin, le sionisme est né de l'idée que les Juifs devraient avoir un État pour être en sécurité. Et c'est l'existence même, c'est la raison même de l'existence de l'État d'Israël qui vacille
le 7 octobre 2023. Et donc, il faut comprendre ce qui se passe là, dans la tête, enfin voilà, pour les Israéliens et pour tous les Juifs de diaspora. Et ça n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, ça n'a rien à voir avec la possibilité de fustiger ce gouvernement d'extrême droite qui est israélien, qui est la pire chose qui soit arrivée à Israël pour sa propre sécurité, sur la colonisation en Cisjordanie à laquelle il faut mettre un terme parce que c'est le non-respect du droit international depuis 67. Enfin voilà, et ça, il y a énormément d'Israéliens qui le disent, qui sont descendus dans la rue, mais il faut savoir que tous les gens qui ont été sauvagement assassinés, c'était des gens qui œuvraient pour la paix, c'était des Israéliens de gauche, c'est à pleurer en fait, c'est à Oui. pleurer. Et on parlait de l'importance des mots. On est en devoir en tant que Européens, parce qu'il en va de la paix dans le monde, de prendre notre part dans le règlement de ce conflit. Ça, évidemment. Mais on ne peut pas entendre dans la rue qu'il se passe un génocide, à Gaza. C'est pas vrai. Je veux dire, la population des Palestiniens, elle a augmenté. Il n'y a aucun génocide au monde où la population augmente. Les mots sont hyper importants parce que là, il y a un renversement de l'histoire. Et c'est à devenir fou, en fait. Donc voilà, il y a un conflit territorial qui doit être réglé. Et puis, il y a autre chose qui est la barbarie. La barbarie à l'état pur, quoi. On ne peut pas m'expliquer que cette barbarie-là, c'est de la résistance. Et donc, je suis en colère. Je suis en colère contre la gauche française, contre les insoumis. Je suis mortifiée parce que c'est des compagnons de route sur tellement d'autres dossiers. Je veux dire, j'ai fait un film sur le sauvetage des exilés. C'est mes compagnons de route à cet endroit-là. Et quand je les entends m'expliquer que le Hamas, des terroristes, est un mouvement de résistance. Mais on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. Bien, merci d'avoir donné ton sentiment, parce que c'est pas facile en ce moment. On a beaucoup fustigé tous ceux qui se taisaient et qui sont d'ailleurs sidérés et qui n'ont pas forcément envie de parler. Oui. Et Voilà. moi, je trouve que de jeter l'anathème sur les... Je pense que c'est la douleur et le sentiment de solitude et voilà, les gens sont... Néanmoins, est-ce que ça justifie ce qui est en train de se passer dans la réponse? Puisque tu l'as dit, c'est un gouvernement d'extrême droite. Non, mais de toute façon, je pense qu'on ne... On ne... C'est marrant parce que je m'intéresse beaucoup à Léon Blum en ce moment. Et Léon Blum n'a jamais répondu à la haine par la haine. C'est ça. Et je pense que Israël est une démocratie. Et donc, forcément, on lui demande plus. Et qu'il y a un moment donné, même quand on a des interlocuteurs abominables, ça veut, évidemment qu'il faut qu'il se défende. Il n'y a pas de cas. Mais la question, la vraie question, c'est quelle est la réponse? Moi, je n'ai pas la réponse. Mais quelle est la réponse qui permettra d'assurer la paix dans la région? Et la paix dans le monde, c'est tout, en fait. À un moment donné, il n'y a pas de place pour la vengeance parce que c'est sans fin, en fait. On peut presque C'est sans fin. rappeler le petit enfant qui demande à son grand-père indien, on a deux loups en nous, celui de la haine et celui de l'amour, et lequel gagne? Et le grand-père répond, celui que tu nourris. Voilà, c'est tellement, c'est beau et c'est Oui. juste. Est-ce Moi, j'ai que une question qui vient d'arriver, Frédéric. oui, vas-y, justement, j'allais te rendre la parole pour les questions. Y a Amélie qui demande, est-ce que vous avez choisi le prénom d'Éléonore parce que en grec ancien, ça veut dire compassion? Ah non, mais je pourrais donner cette Tu pourras dire oui maintenant. Non, non, mais c'est une très jolie explication. Voilà. Pas mal, hein? Il y a Patrick aussi sur Facebook qui demande, est-ce que l'écriture de votre livre vous a aidé à vous réconcilier avec vos parents?
Non, mais ils m'ont aidé à pallier leur absence, puisque pendant 5 ans, 4 ans, j'ai passé beaucoup d'heures avec eux. Voilà. Je les Claude, ai. une fidèle des rencontres, demande est-ce que vous avez pensé à Boris Cyrulnik en écrivant ce livre? Non, mais c'est vrai que voilà, sa théorie de la résilience est quelque chose qui me parle beaucoup. Et sans doute que mes personnages, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse, j'aime beaucoup ça, j'y crois beaucoup, je crois beaucoup à cela, je crois peut-être qu'à cela d'ailleurs. Et c'est vrai que dans beaucoup de mes livres, il y a ce chemin de travail sur soi, en tout cas nécessaire et salutaire, oui. Il y a une question qui revient sur le fait que tu as dit que tu avais vu donc en 2013 le fait divers, que tu avais pensé à faire un roman avec, donc tu l'as laissé reposer. Mais combien de temps avez-vous mis pour reprendre l'écriture, reprendre le sujet pour écrire ce roman? Il s'est passé combien de temps? 4 ans. Il s'est passé 4 ans. En fait, c'est arrivé en 2013. J'étais déjà, je pense que j'étais en train de terminer Un homme dangereux. Vivre ensemble est arrivé comme vraiment comme une nécessité. Et puis, je pense qu'il me fallait une porte d'entrée. Et très honnêtement, en fait, il s'est passé dans ma vie. Je me suis mariée. Mes parents sont venus à mon mariage et ils sont partis sans me dire au revoir. Et je ne les ai plus vus depuis. Et ça m'a laissé dans un état de sidération, de chagrin, d'incompréhension assez important. Et je me suis dit, OK, là, j'ai la matière sensible, émotionnelle pour m'attaquer au sujet des amendes de l'élu. Je sais comment je vais raconter ça. En fait, mes parents ont disparu du jour au lendemain. Ils se sont pas suicidés, mais quelque part, d'une certaine manière, je pourrais comprendre le personnage que je vais inventer. Il a été compliqué à écrire ce livre, Émilie. Ouais, il a été très compliqué parce que la sortie de vivre ensemble a été compliquée. Elle a été très violente et donc j'ai été très ébranlée artistiquement. On se rend pas compte à quel point les artistes sont fragiles, et c'est jamais gagné d'avance. De d'écrire un livre. Donc j'ai été extrêmement fragilisée, très fragilisée par une critique qui a été massive et très virulente à mon endroit. Donc ça m'a beaucoup. Il a fallu que je passe par le cinéma pour me réparer, pour aller vers un autre milieu, rencontrer d'autres gens et être réconfortée sur ce dont j'étais capable sur le plan artistique. Donc ça a été compliqué. Et puis j'ai changé d'éditeur, donc j'ai travaillé sans éditeur pendant longtemps. Donc ça, c'est difficile aussi parce qu'un éditeur est quand même quelqu'un qui vous accompagne. Donc j'ai été accompagnée sur ce livre énormément par Anna Pavlovitch qui a été extraordinaire. Mais une fois que tout le livre était déjà écrit dans sa première version, donc ça a été difficile. Anna Pavlovitch, qui est la patronne d'Albin Michel, je précise, pour nos auditeurs. Des choses qui étaient difficiles, ouais. Je vais montrer, parce que donc tu as parlé de ton film, je vais montrer l'affiche. Il est disponible en ce moment, on n'est pas là pour faire de la pub, mais sur Canal+. Il est aussi en DVD, donc le voilà. Tu as fait aussi un petit passage au théâtre en septembre avec Un Prince. Est-ce qu'il va y avoir une tournée dans toute la France pour Un Prince ou Alors, pas? Prévu. je suis super contente. Samy Boisgillard reprend à la Comédie des Champs-Élysées en janvier pour 3 mois. Ah ben parfait, voilà. Ben merci, comme ça on va On pouvoir. vient, on vient. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un conseil de lecture, Émilie? Et qu'est-ce que tu lis là en ce moment? Ça pourrait être ce que tu lis d'ailleurs. La Je dernière. lis Le mur, je viens de commencer et j'adore. Attendez, je vais vous le chercher tout de suite. Le mur. En attendant que je remontre, donc voilà, les amants du Lutetia. Vivre ensemble est disponible aux éditions Point. Le sourire de l'ange est aussi aux éditions Point, dans tous les poches. Oui, alors c'est. Oula. Marlène, Le mur bonjour, invisible. le mur invisible. Voilà, donc c'est l'histoire d'une femme qui est dans un chalet chez des amis et ils sont partis le soir, ils l'ont laissée seule dans ce chalet. Elle se réveille au petit matin, elle descend la prairie et il y a un mur. C'est formidable, c'est un livre formidable. C'est absolument extraordinaire. Voilà, j'en Oui. suis à 100 premières pages, c'est assez dingue. Voilà, c'est une allégorie, je pense, du mur.
Voilà, du mur qui séparait les pays de l'Est de l'Occident. Et c'est assez fort, cette femme qui va devoir batailler toute seule en pleine forêt. Je rappelle aussi que les amants du dessin sont en liste pour le concours des lycéens, et toujours en piste. Donc on va croiser tous les doigts. Donc ça, c'est mon conseil de lecture. Et donc j'y rajoute, je vous conseille absolument d'aller chez votre libraire. Je serai libraire, je ressortirai ce livre indispensable et nécessaire. Il faut que tout le monde le lise parce que franchement, c'est. Voilà, il faut le lire. Voilà, ce sont mes deux conseils. Merci Nathalie, merci mille fois. En tout cas, un grand merci, Émilie, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir si bien. D'avoir accepté de répondre dans la deuxième partie à l'actualité. C'était nécessaire aussi qu'on t'entende là-dessus et légitime. Tu étais légitime pour le faire, donc un grand merci à toi. Bah, écoute, bonne route pour le concours des lycéens, bonnes vacances aussi. Frédéric, bonne soirée. Je vous embrasse, mesdames, et puis à très vite et à très bientôt. Merci infiniment, merci beaucoup.